Tel que promis, je veux vous montrer un peu l'explication des exposants fractionnaires et comment ça fait que ça nous donne des racines carrées, des racines cubiques et ainsi de suite. Puis, on va aller là-dessus comme point de départ à comprendre qu'est-ce que c'est les exposants. Alors, admettons, je vais commencer avec quelque chose de bien simple. On va mettre 3 à la 2. Okay? Et on comprend que 3 à la 2, c'est 3 fois 3. Okay? Pas de problème là, on sait tout ça, ainsi de suite, 3 fois 3 cubes est égal à 3 fois 3 fois 3, et ainsi de suite. Alors, on se comprend que l'exposant ici, c'est comme le nombre de fois qu'on va multiplier ensemble cette base-là. Ce qu'on peut faire, par exemple, on va aller chercher quelque chose comme ici 8, et puis on va aller chercher un demi. Enfin, c'est pas un bon exemple, un tiers, tiens, c'est encore mieux là. Je choisis tout à fait au hasard. OK, alors, ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est que je peux pas revenir ici, puis j'ai pas de facteur, il n'y a pas de nombre de fois fois 8 que je peux mettre un tiers de ça, alors ça ne marche pas. Mais je sais par exemple que 8 est égal à 2 fois 2 fois 2. OK, alors ça fait 1. Une fois 8, 8 au 1. Et je sais que un tiers de ça, par exemple, serait ça. Ou bien est égal à 2, qui fait la racine cubique de 8. Si j'avais, par exemple, même genre de choses ici, je mets 8 aux 2 tiers, et je sais que 8, en fait, c'est 2 fois 2 fois 2, puis là, 2 tiers de ça, c'est 2 fois 2, est égal à 4. Alors, 8 aux 2 tiers. Et ça tombe que ici, ça c'est la racine cubique, un tiers, c'est la racine cubique de ça. Admettons si on avait par exemple 16 au demi, et encore une fois, je choisis au hasard les chiffres que je joue avec, mais je sais par exemple que 16 c'est 16 est égal à 4 fois 4. Donc, à ce moment-là, 16 au 1/2 est égal à la moitié de 4 fois 4, la moitié des facteurs ici. Donc, juste cette partie-là est égale à 4. Et ça, c'est notre racine carrée.